Depuis toujours, elles roulent vite, les voitures route de Saint-Pierre. Et pas de trottoir pour permettre aux piétons de circuler en toute sécurité. Printemps 2013, coup de neuf sur cette départementale d'entrée de ville. Chaussée refaite, trottoir créé sur une partie de la rue, bande au sol pour limiter la vitesse. Et enfin, installation d'un radar pédagogique à l'automne. Désormais, on lève le pied, route de Saint-Pierre. On lève le pied aussi dans l'avenue Henri-Dunant, deuxième entrée de ville refaite en 2013. Gros travaux de voirie sur cet axe accidentogène dans le courant du printemps. Un îlot central et des chicanes créées peu après le panneau d'entrée de ville. Des aménagements de trottoirs et de stationnement le long de cet axe. Le réaménagement du carrefour dangereux à l'angle de la rue Pichou et le Camus. Et l'incontournable radar pédagogique à l'entrée de ville. Dorénavant, on entre à Louviers en toute sécurité par l'avenue Henri-Dunant. Côté voirie, 2013 a été une année riche en chantiers. Une dizaine de rues refaites aux quatre coins de la ville, du quartier des Monts au secteur de la place de la République, en passant par le quartier Ouest ou le quartier de la Roquette. Sans oublier, bien sûr, la rue du Bal-Champêtre, un des axes les plus étendus de la ville. Première étape en 2013 entre l'avenue des Amoureux et la rue Massacre. Chaussée et trottoir refaits, réseau enfoui, stationnement revu et corrigé. Une nouvelle vie pour les automobilistes, les piétons, comme les riverains depuis l'été dernier. Grosse bouffée d'oxygène place de la République en cette fin d'année 2013. 50 nouvelles places de stationnement ont été créées pour absorber le flux de véhicules supplémentaires liés à l'installation de l'agglomération sur l'îlot Torel. 2014 devrait suivre sur la même lancée, que ce soit en centre-ville ou dans les quartiers. Parmi les chantiers très attendus, la rue Leroy-Marie, dont les travaux doivent démarrer au printemps. Une rue élargie et sécurisée pour les piétons comme pour les véhicules. La rue Leroy-Marie, c'est précisément ici que viennent tout juste d'être livrés les 15 logements construits par Heure Habitat à la place des 6 vieux chalets démolis en 2010. Les premiers locataires sont attendus dans les prochains jours. Attendus également dans les semaines qui viennent, les premiers occupants de la nouvelle cité commandeur, avenue des Amoureux et rue Pierre et Marie Curie. Après bien des péripéties, Heure Habitat devrait enfin venir à bout de ce programme courant mars. D'autres programmes sont aujourd'hui dans les starting blocks. Parmi eux, plusieurs dizaines d'appartements dans la rue des Martyrs de la Résistance. Après les fouilles archéologiques à l'automne, leur construction devrait démarrer au printemps. Le futur écoquartier de la route de la Vacherie pourrait quant à lui commencer à sortir de terre avant la fin de cette année. Autant dire que côté logement, 2014 s'annonce prospère. Tout comme 2013 a également vu l'entrée en scène d'un certain nombre de nouveaux programmes. À commencer par la résidence Elodie dans le quartier de la Roquette. Des appartements et des maisons privées dont le chantier avait été interrompu pendant plusieurs années et qui ont finalement été livrés ces derniers mois. Également livrés, les 32 appartements de la Prairie des Fougères à deux pas du lycée des Fontenelles, proposés en accession à la propriété. Des logements haute qualité environnementale, situés au-dessus de la nouvelle crèche capucine, du nouvel accueil de loisirs et du nouveau centre social La Chaloupe. La Prairie, c'est ici en effet que la nouvelle crèche Les Capucines a ouvert ses portes fin août 2013. Fini les locaux mobiles de la rue du Bal-Champêtre, où la crèche s'était provisoirement installée en 2009 après l'incendie de la crèche Beaulieu. Place un équipement flambant neuf à deux pas du lycée des Fontenelles et du quartier Maison Rouge. Des locaux spacieux, lumineux, fonctionnels, qui accueillent depuis l'été dernier les bambins âgés de 2 mois et demi à 4 ans. L'ouverture de cette nouvelle crèche a également permis d'augmenter la capacité d'accueil des capucines. La structure est ainsi passée de 15 à 25 enfants. Face à la crèche, de l'autre côté de la prairie, un second bâtiment.
Ici s'installera dans les prochains jours l'accueil de loisirs baptisé la Chaloupe. La structure, ouverte aux petits lovériens de 7 à 17 ans, remplacera à la fois l'ancien centre de loisirs des Fougères et l'ancien accueil Beaulieu. Dans le même bâtiment, un autre équipement, le deuxième centre social, lui aussi baptisé la Chaloupe. Ce nouveau centre social, qui ouvrira également ses portes dans les jours qui viennent, vient ainsi renforcer l'actuel centre Pastel et son service public de proximité. De nombreuses actions autour des jeunes adultes, de la citoyenneté et du lien social y seront développées. Un peu plus de deux ans maintenant que les premiers coups de pelle de la rénovation urbaine de Maison Rouge ont été donnés. Un peu partout dans le quartier, c'est l'effervescence pour achever au plus vite la grande transformation, particulièrement visible ces derniers mois. Des espaces publics totalement métamorphosés aux abords des immeubles, un ruisseau minéral aménagé au cœur du quartier, un espace de rencontre créé autour des écoles Jacques Prévert, sans oublier ces nouvelles rues créées, ces 381 appartements rénovés et 25 immeubles repeints, ces dizaines de conteneurs à poubelles enterrés les uns après les autres au fil des mois. Et aujourd'hui, la métamorphose se poursuit. Depuis l'automne, la construction de l'immeuble qui accueillera des commerces a démarré à l'entrée du quartier. Des commerces dont l'ouverture est prévue courant 2014. Ce mardi 28 janvier, le premier des quatre immeubles d'Heure Habitat, l'immeuble Havre, a fait ses adieux. Le bâtiment dont le désamiantage a duré plusieurs mois aura totalement disparu du paysage d'ici deux mois. Une première démolition vécue comme un soulagement pour les habitants, comme pour les acteurs de la rénovation du quartier. Désormais, la Sécomil va pouvoir construire derrière l'ancien bâtiment Havre son nouvel immeuble qui abritera 11 appartements mais aussi et surtout un pôle santé. Ce pôle santé, créé en lien avec l'hôpital, comprendra médecins généralistes et centres de prévention. Dès le début du printemps, une dizaine de caméras de vidéoprotection vont être installées en différents points stratégiques du quartier Maison Rouge. Un dispositif opérationnel un peu plus d'un an après l'installation de 9 caméras disséminées aux quatre coins du centre-ville. Des caméras qui pointent leurs yeux non seulement sur les rues commerçantes, mais aussi sur les accès aux banques, aux jardins publics, aux principales entrées de ville. Leur vocation permet de retrouver les auteurs d'un délit, ou jouer un rôle dissuasif auprès de ceux qui seraient tentés de commettre un délit sur la voie publique. Fin 2013, l'île aux Torelles entre en scène. Après plus de deux ans de travaux sur le site de l'ancien garage Renault Place Torelles, deux ans de chantier pour que sorte de terre cet immense bâtiment de plus de 7000 m² aux portes du centre-ville, le nouveau nid de l'agglomération Seineur et des différents acteurs de l'emploi prend vie petit à petit. Pôle emploi aura été le premier à s'installer ici courant décembre, quittant le boulevard Postel et la rue du Commandant Lherminier. La case, jusque-là hébergée avenue des Métiers à Val-de-Reuil, l'a rejoint ces dernières semaines. 120 agents de l'agglomération travaillent désormais place Torelles. Quant aux élus des 37 communes de la case, ils se retrouvent tous à Louviers, dans ce bâtiment ultra-moderne. Une aubaine pour les Lovériens. Désormais, tous les services de la ville et de l'agglomération se situent sur le même périmètre. Dans les semaines qui viennent, la Maison de l'Emploi, le PLI, la Mission Locale et la Maison de Justice et du Droit emménageront également. Mai 2013, la consécration pour l'accueil de l'Hôtel de Ville. Après un an d'efforts acharnés des agents municipaux, après un an d'amélioration tous azimuts pour un meilleur service rendu aux habitants, l'accueil de l'Hôtel de Ville a décroché le label Caliville, une distinction nationale qui vient récompenser la qualité de l'accueil des usagers en mairie. Louviers est désormais la deuxième ville de l'Eure et la sixième de Normandie à obtenir ce précieux label. Plus accueillant, mieux organisé et structuré, plus performant, le service municipal poursuit aujourd'hui sa démarche pour conserver son label et toujours mieux servir les Lovériens. Aux quatre coins de la ville, le réseau de chaleur urbain tisse sa toile. Depuis novembre dernier, les ouvriers sont à l'œuvre pour enterrer les 7 km de tuyaux qui viendront alimenter les 22 équipements publics,
comme l'hôpital, le collège Ferdinand-Buisson, l'hôtel de ville et les 900 logements reliés au réseau dans tous les quartiers. L'ensemble de ce réseau sera alimenté par une chaufferie bois installée rue des Vallaux à l'extrémité du quartier Maison Rouge. Sa construction vient tout juste de débuter. Au plus tard cet été, tous les sites concernés, parmi eux également le nouveau centre aquatique, seront reliés au réseau qui se mettra en route en septembre 2014. Double avantage pour ce dispositif. Écologique d'abord, puisqu'il permet de limiter l'usage des énergies fossiles en utilisant le bois, énergie renouvelable. Atout économique aussi, puisque les foyers et équipements reliés pourront réaliser entre 10 et 35% d'économies sur leurs factures de chauffage. Bienvenue au stade Paul Coudray, avenue Winston Churchill. Son originalité jusqu'en 2013, plus d'un mètre de dénivelé entre les deux extrémités de la pelouse. Pour corriger ce défaut de taille, les pelleteuses sont entrées en action l'été dernier. Le terrain du stade Paul Coudray a alors été remis à niveau et entièrement refait en pelouse synthétique, une sorte de moquette en plein air déroulée à même le sol. L'intérêt d'une pelouse synthétique ? Qu'importe la météo, elle est utilisable toute l'année, sans modération, et n'a besoin que de très peu d'entretien. La ville a également profité de ce chantier pour remplacer l'éclairage public, les bancs de touche et les lisses du terrain. Au final, c'est un terrain tout neuf à disposition d'un club tout neuf. En juin dernier, l'USL a en effet fusionné avec le club de football de Pont de l'Arche pour devenir le Football Club Senneur. Un terrain que le nouveau club partage aussi avec de nombreux écoliers de Louviers et les clubs corporatifs. Après le foot en 2013, la piscine en 2014. Le compte à rebours a démarré. Le 25 février prochain ouvrira la nouvelle piscine. Ou plutôt, le nouveau complexe aquatique intercommunal, rue du Canal. Fini le bassin unique de la piscine plein soleil. Désormais, c'est un gigantesque complexe qui rentre en scène. Complexe équipé de 5 bassins intérieurs et d'un bassin extérieur de 50 mètres. D'activités aquatiques en tout genre, comme le toboggan de 60 mètres ou le pentaglisse de 35 mètres. Un nouvel équipement financé par la communauté d'agglomération qui promet de faire le bonheur de tous les publics, que ce soit les nageurs, les baigneurs, les enfants, les adultes, les clubs ou le grand public. Ce nouveau complexe aquatique portera le nom de Bernard Lefebvre, en hommage à notre adjoint au sport qui a œuvré pendant des années pour que Louviers ait enfin une piscine digne de ce nom. 2014, c'est aussi le lancement d'un autre équipement très attendu par les jeunes. Dès le printemps, à l'intérieur du complexe sportif Maxime Marchand, la salle multisport, notamment dédiée au futsal, commencera à sortir de terre. Ce nouvel équipement, en partie construit sur l'emplacement de la piscine plein soleil, se composera d'une salle polyvalente pour de nombreuses pratiques sportives et manifestations festives, de gradins de 500 places, ainsi qu'une salle dédiée au club d'haltérophilie Lauvérien. Ce club, trop à l'étroit dans ses locaux du Colisée, prendra ses quartiers à la place de l'actuelle piscine qui sera démolie au début du printemps. L'équipement devrait ouvrir ses portes pour septembre 2015. Just wanna read me off my pain.
Donc je m'adresse à tous les Lauvériens en leur souhaitant une très bonne année 2014 et en espérant qu'elle soit gourmande et sous le signe du partage, bien évidemment. Bonne année 2014. Pour les 10 ans de l'association Artisans du Monde, nous vous souhaitons une très bonne année 2014, solidaire et équitable. Amis Lauvériens et Lauvériennes, je vous souhaite une bonne année 2014, une bonne santé, du travail et surtout une bonne relation familiale. Je vous souhaite une très bonne année 2014, sans fausse note. Kamel, qu'est-ce qu'on peut souhaiter cette année aux Lauvériens et Lauvériennes ? Je leur souhaite une très bonne année 2014. Une grande année 2014, pleine de sport et de réussite. Je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année 2014. Qu'elle soit riche en émotions, santé et travail. Je souhaite une excellente année aux Lauvériens, qu'elle soit pleine de goût et de saveur pour cette nouvelle année. On vous souhaite de la joie, de l'amour, un nouveau départ, du bonheur, beaucoup de bonheur, de la chance, beaucoup de plaisir, bonne santé, des projets, de la réussite, bonne santé. Bonne année !